Bonjour à toutes mes petits oreillons et mes petites oreillettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute particulière, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dégustation de cervelas. Alors, comme le sait ma communauté que j'aime tant, je suis végétarienne, donc je n'ai vraiment pas envie de faire ce challenge. Mais pour vous, mes amours, je le ferai. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ce délicieux cervelas super U. Donc aujourd'hui, on va lire le sketch le plus connu de Jean-Marie Picard. Et le but, c'est qu'à chaque fois où je ne rigole pas, j'en mange une tranche. Donc je l'ai retranscrit en entier. J'ai également noté les rires du public. Et vous pourrez apprécier ou non son humour, que personnellement, je trouve très moyen. Donc la vidéo va commencer, amusez-vous bien et bonne vidéo. Bonsoir monsieur, dame, ah, bonsoir, merci, merci, bien, merci, merci, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors un petit mot avant que j'attaque le sketch, déjà les enfants qui nous regardent, tonton Jean-Marie il va dire des gros mots mais c'est pas méchant. Le public a ri. N'étant pas convaincu, je vais manger mon cervelas. C'est dégueulasse. Il fait beaucoup de blagues, Jean-Marie, ça va être long. Les adultes, je voulais dire, voilà, que quand j'ai écrit ce sketch avec mon ami Laurent Paffy, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas l'homme chasseur? Tu sais, quand on remplace le gibier par le beau sexe, voilà, ça c'est fait. Je vous l'ai dit, voilà, vous êtes prêts maintenant. Personne n'a ri. Alors on est parti. Oh putain, je suis en colère, je suis allée en boîte hier. Ils avaient fait un lâcher de salope. C'était de l'élevage, dis donc. Le public a ri. Je peux pas manger. Vous connaissez mon côté sportif, hein. Moi j'ai même pas sorti le fusil de l'étui, hein. Oh bah j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage, hein. Attends, tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas, elle restait là, elle voyait même pas qu'elles allaient se faire tirer. À nouveau un rire dans le public. Je ne veux pas manger de cervelas tout de suite, donc j'attends un petit peu. Obligé de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie. Hein. Ah bah oui, parce que moi, la salope sauvage, je sais ce que c'est. Hein. Oh bah la salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin, mais tu la tires jamais. Monsieur me confirme, hein, c'est vrai, c'est d'ailleurs pas ceux qui ont eu la chance d'en tirer. Hein. Ils te le disent. Hein. À bouffer, c'est incomparable. Hein. Oh, bah, il y a un petit fumet, il y a un coup de gibier. Elle a pas un coup de gibier. La salope d'élevage, c'est fade, ça sert.
Non, ça sent l'eau de Cologne souvent. Non, je te jure, tiens, l'autre jour avec des copains, on était partis à la Greluche. Alors la Greluche, faut savoir que ça se chasse pas, ça se pêche la Greluche, hein. Si, c'est sympa en friture, tu vois, à l'apéro, avec un petit coup de rosé, bien frais, ça passe tout seul. Donc on était là en terrasse, au milieu d'un banc de Greluche. Autant dire qu'on était monté fin. Oh bah attends, jean, basket, swatch, Clio. Ah, ça c'est Jean-Marie, ça compte pas quand il rigole lui. Tu vois, on peut pas être monté plus fin. Bon, tout d'un coup, j'ai 50 mètres de Félix qui partent. Tous mes copains me disent, oh là là, t'as repéré un gros morceau. T'es monté trop fin, tu vas casser. Heureusement, moi, par précaution, je mets toujours un petit pas de ligne en acier, on sait pas ce que tu peux attraper. Bref, je mouline, j'avais attrapé une bourgeoise, tu vois, une belle bourgeoise, hein, dans les 50-52 kilos. Ça bagarre, hein, la bourgeoise, hein. Je panique pas, je la remonte jusqu'à l'hôtel, hein. Et tu sais que là, faut pas faire le malin. Moi, j'ai déjà vu casser dans le hall de l'hôtel, hein. Jean-Marie Picard y pèse en fait. Mon vieux, elle nous est partie dans les pattes. Elle a disparu dans le rayon charcuterie. On l'a jamais revue. Ah. Incroyable, hein? Non, mais ce que je dis, c'est qu'il faut pas se décourager, hein. Je dis ça pour ceux qui arrivent jamais à en attraper. Regarde-moi l'autre jour en boîte, hein. Il va beaucoup en boîte. 5h du matin, pas une touche dans la soirée. J'ai dit là, je vais rentrer bredouille. Je vais encore dormir sur la béquille. Tout d'un coup, j'en vois une dans le fond, pas terrible, hein. D'ailleurs, à mon avis, elle avait déjà dû se faire tirer parce que elle avait le poil tout collé et elle boitait de l'arrière, hein. Bon. Non,
Non mais je te jure, hein, y a des jours avec et des jours sans. Hein. De toute façon, c'est quand tu t'y attends pas que tu te fais les plus belles prises. Ah bah moi, je vois l'autre jour, je suis tombée sur une vorace. Hein, et bah elle m'avait avalé 20 cm de ligne. Bah j'ai été obligée de prendre le dégorgeoir pour récupérer le matos. Tiens, une autre fois, j'observais une pétasse à la jumelle. Je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai tout pris dans la gueule. J'ai rigolé, je suis pas obligée de manger. J'avais pas dû mettre le cran de sûreté, sûrement. Ah, ça en a fait des souvenirs. Il y en a même bien. Il y en a que je vous raconterai, mais. Non, je préfère pas. Non. Hein, vraiment. Bon, d'accord. Vous savez ce que c'est, hein? J'ai toujours peur de passer pour un sentimental, hein? Vous savez ce que c'est? Si, c'est vite fait, faut faire attention, écoute. Mais je fais pas le timide, hein? Je sais même pas comment vous raconter ça. Attends, une traque extraordinaire. Sortie du bureau, 16h30, apéritif au coin de la rue. Resto italien, 2 bouteilles de Chianti. Cinéma, nightclub, 4 bouteilles de champagne. 1 450 € la traque. Je vous passe les détails. 14 heures plus tard, le parking de la discothèque est désert. Elle est là devant moi, abandonnée. Elle lutte plus. C'est un peu problématique quand même. J'ai réglé la hausse. Elle relève la tête. Elle vient de chéraper pour la deuxième fois. Elle me regarde enfin, quand je dis elle me regarde, elle regarde dans ma direction parce qu'elle a les yeux qui, tu vois quoi. Je la vois encore doucement s'allonger sur le capot de la BM avec la rosée du matin qui mouille sa robe. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pu. Il y avait une grosse larme pleine de rimel qui coulait comme ça sur sa joue. 10 ans après, mesdames et messieurs, j'entends encore l'élastique de mon slip qui claque sur ma taille. La nature était trop belle, je l'ai laissé partir. Je la vois encore s'éloigner dans sa robe. Léopard, les chaussures pleines de vomi à la main. Elle remonte dans sa 205 immatriculée dans le Gers. Ça, mesdames et messieurs, c'est des trucs que tu vis qu'une fois. Mais je sais que les grands chasseurs me comprendront parce que le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans le viseur, juste avant que le coup il parte. Parce qu'après, il faut le reconnaître, ça retombe. Voilà mes chers abonnés, cette tendre vidéo est terminée. On a pu encore une fois voir à quel point Jean-Marie Bigard adore les femmes et les respecte tendrement. J'espère un jour avoir une relation aussi saine que lui, là, avec les femmes. Et puis, je vous laisse sur ces douces paroles. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Mukbang. Abonnez-vous.